L'exercice est périlleux puisque pour décrire Juan Fortuna, je ne dois pas décrire les premières pages. Si je raconte les premières pages de ce livre, on va perdre la substance du roman. Alors je ne vais pas les dire. Juan Fortuna, le titre du livre, c'est le personnage central. Nous sommes à Recoleta, le quartier résidentiel de Buenos Aires. Et cet homme a un frère qui va nous décrire la vie de cet homme. Nous allons suivre plusieurs épisodes de sa vie, notamment sa dérive progressive dans la ville, parce qu'en fait Juan Fortuna va devenir progressivement fou, il va se décrocher du réel, et c'est tout ce que nous allons pouvoir suivre avec son frère. Première chose importante, nous sommes dans un hippodrome, l'hippodrome de Buenos Aires, et Juan Fortuna est le témoin avec son cousin, Carlo, d'un crime. Première étape. De son décrocher comme ça du réel. Dans cet hippodrome, alors que les chevaux sont prêts, Juan Fortuna, lui, va voir l'assassin et va voir la personne qui est assassinée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le père de Juan Fortuna, qui est un chirurgien, la mère est styliste, décide, parce que son fils est un personnage un petit peu étrange, un petit peu décalé, plutôt que de le faire pendant l'été travailler dans une ambassade, il lui indique la possibilité de travailler dans un asile de vieillards. Et donc Juan Fortuna se retrouve au milieu de ces personnes à être aide-soignant et à vraiment être le témoin de la fin de leur vie. Ça, ce sont les deux choses qui vont faire que progressivement, cet homme, qui est un personnage assez exubérant, qui est un joueur, qui est un homme assez singulier. Il va progressivement en fait se mettre un peu à distance de sa famille et de la ville de Buenos Aires. Et tout doucement, il va rejoindre en fait Carlo et Cristina, qui sont ses cousins, dans une entreprise de corruption qui va l'entraîner très loin et qui va vraiment le décrocher encore un peu plus de sa vie, de ses sensations et de son rapport aux autres. Et tout le livre, Juan Fortuna, est une occasion de montrer qu'on peut croire à sa bonne étoile, qu'on peut croire à la chance, d'où le titre du livre, puisque Juan Fortuna en espagnol, la fortuna comme suerte, la rueda de la fortuna, c'est vraiment la chance. Et ce personnage décide en fait de croire à sa propre chance. Ça paraît étrange parce qu'évidemment toutes les composantes autour de lui sont plus inquiets que lui, mais lui n'est pas inquiet. Il retombera sur ses pieds. Et tout le livre est une perspective pour mettre vraiment cette vérité du mouvement, puisque j'insiste vraiment sur le corps de Juan Fortuna, sur la vitesse, sur la rapidité, sur son sens de la danse. C'est un personnage qui aime danser, c'est un personnage qui aime le tennis, c'est un personnage qui aime la fête. Et donc c'est un corps aussi singulier. Et je voulais montrer comment cet homme, dans Buenos Aires, dans cette Argentine de la dictature, mais même si nous sommes bien après, comment on peut être libre aujourd'hui. Le livre, c'est aussi le portrait de deux frères. Frère aîné, frère cadet. Le frère aîné raconte l'histoire de son frère cadet et progressivement, dans le livre, une indistinction se met en place. On pourrait imaginer que c'est la même personne. Peut-être que l'un des deux rêve l'autre. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que ce corps existe vraiment? Et j'ai joué aussi sur ce double, sur cette gémellité. À la fois dans la très grande proximité et l'éloignement du lien. J'ai tenu pendant tout le livre à garder vraiment une rythmique, une scansion, une vitesse dans l'écriture. Et pendant toute l'élaboration du livre, j'avais en tête le vers de Friedrich Hölderlin qui dit « Voudrais-je être une comète, je le crois. » Et pour moi, Juan Fortuna, c'est ça. C'est un astre, c'est une comète.